Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série consacrée à l'hygiène de vie. Aujourd'hui, on va parler du sommeil, puisque c'est important. Juste avant de commencer cette vidéo, tout simplement, la série l'hygiène de vie a commencé un petit peu par hasard, mais je me suis dit que, en fait, l'hygiène de vie actuelle, pour la plupart des gens, est parfois un petit peu mauvaise. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société qui veut que on soit constamment stressé, même on ne le veuille pas. Petite anecdote, une fois je me suis rendu à Paris, j'étais en train, et puis moi j'étais très bien, j'avais pas de stress, j'avais pas de raison de stresser. Je suis arrivé à Paris, gare de l'Est, et à un moment donné, j'ai commencé à être stressé, juste parce que les gens autour de moi étaient stressés. Aujourd'hui, on a nos vies, le travail et les choses qu'il faut absolument faire. On n'a pas forcément toujours envie de faire, mais on est constamment en train de stresser. Le souci, c'est que le stress fait que on perd de plus en plus, on vit moins vieux. C'est-à-dire qu'avec tout le stress, tous les manques de sommeil, les mauvaises choses qu'on a quand c'est une merde, font qu'on est en train de bouger notre corps. Et dans cette série de vidéos d'hygiène de vie, j'avais envie de partager aussi ma façon de voir les choses depuis que depuis que j'ai arrêté de boire. Ça va faire 5 mois bientôt. C'est une grande victoire et c'est aussi parce que j'en ai voulu. J'ai voulu arrêter, j'ai voulu combattre ça, donc c'est déjà une grande fierté. Donc, depuis que j'ai arrêté de boire, j'essaie d'aller vers une vie un peu plus saine, plus chouette aussi, au final. Parce que se réveiller là, en vrac et puis en n'étant pas bien et en maintenant une demi-journée à être mieux, effectivement, c'est bien mieux de plus avoir ce cas-là. Donc, l'hygiène de vie commence par une hygiène de nourriture, une hygiène de boisson, mais aussi surtout une hygiène de sommeil. Le sommeil, c'est réparateur, c'est bien au moral, c'est bien aux rumeurs, ça. Quand on dort bien, on enlève la fatigue. C'est réparateur, ça, vous avez une blessure, ça peut arranger les choses. Il y a une grosse partie de notre bien-être qui passe par le sommeil. Aujourd'hui, on a la chance, on se pose, on est dans le lit, on dort 8, 10, 12, 14 heures pour certains. Même moi qui parfois, bon, après j'ai un rythme de travail qui est décalé, bon, les heures de sommeil, c'est un bordel. Mais enfin, le truc, aujourd'hui, on a besoin dans un confort maximal. Qui nous enferme et qui nous endort. Mais qu'en arrivera-t-il le jour où, ben, tout simplement, on va devoir dormir dehors, dormir dans des endroits où on n'a pas forcément envie de dormir, dans des endroits qui sont complètement crades, sombres, humides, ou même dehors qui. Ah, il y a des moustiques, ah, il y a des nuages, on va être mouillé. J'ai fait pas mal de bivouac ce mois-ci et je dois dire que dormir dehors, les premières fois, quand vous êtes seul, notamment la vidéo bivouac que j'avais fait, effectivement, ce soir-là, j'ai eu du mal à dormir. Et pour être tout à fait franc, je crois que j'ai dû fermer l'œil 5 minutes. Et encore, fermer l'œil, c'est fermer l'œil, genre. Donc, c'est pas si évident de dormir dehors. Donc, la préparation exige aussi certaines choses psychologiques, c'est-à-dire sortir du confort, c'est aussi sortir du confort du lit. Donc, le jour où on est confronté à devoir évacuer, ou comme dans les films apocalyptiques où il n'y a plus rien qui marche, où on doit dormir dans n'importe quel endroit, eh ben, il faut déjà s'y habituer un petit peu. C'est pour ça que sortir de notre zone de confort est important, puisqu'on n'aura plus la chance de dormir dans un lit super étoile, bien tranquille, avec un petit verre
Non, mais j'abuse, mais pour dire que moi j'ai fait du bivouac, je montrerai les vidéos une fois à l'occasion, j'ai pu dormir à 500 mètres d'altitude en hamac, une expérience géniale, j'étais à Europa Park. Europa Park, c'est un parc d'attractions pas très loin de chez nous, très connu dans le monde, mais moi on a la chance d'y être en même pas une demi-heure, 45 minutes. Donc, pourquoi je prends cet exemple? C'est tout simplement, j'y vais une fois par an depuis que je suis gamin et c'est un putain de parc d'attractions. Et donc, quand je me suis installé dans le hamac à 500 mètres d'altitude, l'espace de mon bras, j'étais dans le vide. Et donc, j'étais comme un gamin qui allait dans son manège la première fois. Bon, c'est une expérience géniale et que je vous recommande de vivre. Alors après, je ne vous demande pas, je ne vous dis pas de vous mettre en danger. Faites aussi là où vous vous sentez capable de faire. Moi, je suis un petit peu farfelu, un peu foufou, comme les gens me disent. Ne vous mettez pas en danger, ne vous mettez pas en situation de survie. Le but n'est pas là. Le but est de vous habituer à sortir de votre zone de confort. Et ça peut être tout. Ça peut être sans eau, sans électricité, un week-end. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, le fait de ne pas dormir dans votre lit va sans doute poser quelques problèmes. Et même si on peut avoir une certaine préparation, si on n'est pas habitué à dormir ailleurs chez soi à la maison, ça va aussi poser peut-être quelques problèmes. Donc, faites-le de temps en temps, sortez de votre zone de confort, quitte à dormir par terre hein, chez vous. Moi, j'ai déjà fait une fois. J'ai même bien dormi d'ailleurs. Peut-être que c'est être abusé ce que je dis. Mais en cas d'effondrement, où c'est vraiment le bordel, en cas de rupture de la normalité à long terme, ça va peut-être causer un problème. Ensuite, deuxièmement, c'est là, on dort tranquillement. Ah, pendant le week-end, je fais grasse mat, café au lit, pizza au lit et puis le verre de vin au lit. En cas d'effondrement, et vous n'êtes pas habitué à dormir dehors, à la Béry-Mouane ou ailleurs, vous n'allez peut-être pas forcément bien dormir, vous n'allez peut-être pas forcément dormir du tout. Ce qui va se passer, c'est que après, vous allez en devoir taper peut-être une journée de marche. Et ça, vous allez sentir. On va dire que vous avez un petit peu à manger, bon, on enlève l'aspect sans nourriture, mais imaginez dormir 2 heures, marcher 10 heures et manger une barre chocolatée à 10 heures du matin et le soir ne rien manger. Donc, le sommeil, ça va être très important déjà pour l'humeur, pour le moral. Le matin, vous vous dites, ah, j'ai bien dormi. Ah, putain, j'ai bien dormi. Donc, déjà, ça va être très. Ça va être un moteur génial le jour où vous avez besoin, en cas d'évacuation, de bien dormir. Habituez-vous donc à dormir dans des lieux toujours très agréables. Même chez vous à la maison, au lieu d'aller dormir dans le lit, vous dormez sur le canapé. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans. Bon, j'ai dû arrêter parce que confort de sommeil, et justement, je suis rentré dans cette phase où je rêvais vraiment de dormir dans un vrai lit. Je l'avais déjà raconté, voilà. Et sauf que mon corps, à un moment, voit une bizarre merde. Donc j'ai dû vraiment avoir un lit. Mais je l'ai fait pendant 2 ans. Et alors, ce n'était pas dans un cadre d'exercice d'évacuation hors zone confort. C'est juste que j'ai aménagé ma chambre en studio. Ça, c'est ma chambre, hein, pour vous dire. Voilà, j'ai pas de lit, mais bref, ça, je l'avais déjà dit. Et sauf qu'au bout d'un moment, votre corps il a vraiment envie d'avoir ce confort de lit. Et là aussi, ce que je vous dis, c'est que si vous sortez le plus souvent de votre zone de confort, c'est là que vous allez aussi savourer votre confort qu'on a tous les jours. Et ça, c'est très important, de savourer ce qu'on a et pas de voir ce qu'on n'a pas. Donc voilà. Cette vidéo se fait long. Je ne pensais pas, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez bien compris, le sommeil, c'est important et négligez pas le sommeil. Aujourd'hui, on peut un petit peu dire, oh, je fais une nuit blanche, je passe une bonne soirée avec les copains, mais dans un futur proche, ça serait plus le cas.
Bon, voilà. Bien, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu ou un commentaire, c'est bon pour mon référencement. Et merci à tous, merci pour votre soutien, et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bonne préparation, et comme je vous dis toujours, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao, les amis!